on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing. Hey, yo, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 de Vampire. Du coup, petit rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Nous avons donc rejoint officiellement le club Avalon. Suite à ça, donc, nous avons pour mission d'interroger les citoyens, donc c'est ce qui est marqué à droite, hein, d'interroger les citoyens du quartier pour savoir où serait, ou du moins où aurait commencé l'infection dans le West End. Du coup, on a déjà commencé à faire notre petite recherche qui nous a amené vers cet endroit là, cette maison où on a affronté une femme un peu folle, on va dire ce qui est, qui vomissait de partout. Et apparemment ça ne viendrait pas de là. Donc on va continuer notre petite recherche, hein. C'est parti. C'est parti, City Bar. Du coup, faut que je continue à interroger par là. Avec elle, on va essayer de discuter avec lui. Goody. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Très bien. Goodbye, Mr. Merci. Women's right to vote is only the first step. Toi là. Good. I won't. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mulaneys... Yes? What about the Mulaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder... Ouais, you need c'est quelqu'un pour faire la différence entre ce que vous voulez... vous et ce qui se passe réellement. Du coup ça me donne quoi? Deux adresses? Ah non, une seule. Ok. Alors attends, faut que j'arrive par là, puis à droite. Donc là, et à droite, donc ici. Et après, la première, à droite encore. Donc là. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? It's locked. Ouais. Et je fais comment pour y passer? Tu m'expliques. Ah là, comme ça et comme ça ici. Ok, on va prendre ce chemin là. Ok, par là. Et ici c'est ça? Ouais. Ah, par là.
Bonsoir. Ok. Je vais déverrouiller ça parce que à chaque fois. Voilà. Ah, bonsoir. Faut bien fouiller dans les poubelles. Oh, c'est notre meuf qui vomit. Ah merde, tu fais le con. Oh merde, j'oublie qu'elle explose. Ah putain. Dégueulasse. Mais je sais, c'est pas très sympa, mais encore un rat, s'il te plaît, merci. I can't believe I'm doing this. Alors, du coup, ça serait cette maison-là, apparemment. C'est vrai qu'elle a l'air chaleureuse. Bonsoir. Enchanté. C'est quoi, Shadow? Oh, fusil à pompe remarquable, très bien. Bonsoir. C'est qui parle? Oh, intéressant. Le couple MacPherson. Eh oh, calme-toi, hein. Je sais que je touche à ton mari, mais... Voilà, ça je vais être tranquille, je vais pouvoir te casser la gueule. Tranquillement, toi aussi. Ah ouais, ouais. Mais, t'es sérieux? Tu l'as pas touché une seule fois là? Vas-y, les... casse-pierre. Il faudrait que je prenne un peu de sang. Casse-pied quoi. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Doris Fletcher. C'est quoi là? Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Son école. Et alors, où est son école? Là-bas. On va partir par là. Mmh.
Alors. Ah, bonsoir, toi je t'ai pas parlé. We meet, Doctor. We must breathe. How is the situation? I've heard rumors about armed men. May I ask you what you do for a living? I was. Why this sudden epiphany? I was already feeling nostalgic about Wayman. Why are you so nostalgic for your home? I was focused so much on making money. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord. At least to make it sound. Oui, bon, you, oh, those you grew up. Would you believe? On s'en fout. Clairement. Can you check? I've seen what an altruistic gesture can do. T'es quoi toi? Niveau 3000. Je peux te bouffer. Non, non, c'est j'ai déjà fait assez de. Goodbye, Mr. Kimura. De conneries comme ça. J'ai plongé déjà deux quartiers en mode hostile. Je vais pas plonger celui-là. Alors que je viens tout juste d'arriver dedans. Alors attends, du coup, son école. Donc c'est par là. Par là. Oula, bonsoir. Oh, je l'ai one shot. Du coup, c'est censé être par là. A priori, trouver un accès. Par derrière, peut-être. Bonsoir, messieurs. I cannot. Enter. Bon, après, j'ai pas le choix. Je peux vous esquiver, tant mieux. Si je passais par là. Oh, il me casse les pieds avec son. Non, 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 non. Oh là là. Voici là. Putain. Incroyable ça. Ouais, du coup, on peut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ennemi. Là-bas? Oh non, tranquille. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Ah, je savais qu'il y avait un passage par ici. Genre, il a vu que ça là c'était ouvert? Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule par hasard, Jonathan? Je sais que t'as des doigts un peu vampiriques, mais j'attends juste que ma vie remonte un peu, histoire d'être sûr d'être opérationnel si jamais il y a encore un fight dedans. Ah, j'en ferai en repartant. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que le problème a l'air de venir de là, parce que pour que ça fasse un gros chargement comme ça,
Alors, qu'est-ce que ça dit cette école là? Va payer la dette de ton école, hein, putain. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Bonsoir. C'est comme ça qu'on dit bonjour maintenant. Pas de folie les gens. Oh mais dégueulasse à venir comme ça là. Non non. Faut que je pense à esquiver parce que quand ils explosent c'est con là. Attends, je vais juste voir ce qu'il y a par là éventuellement. Pas grand chose à priori. Ok. Ok, là, ça promet le fight. Qu'on va devoir se fight avec elle vu l'endroit où on va la recevoir, enfin où elle va nous recevoir. 100% ça peut le fight, hein. J'arrive, on bouge pas. Ah ah, je m'attendais pas si on avait un deuxième. Ça m'arrangerait, Jonathan. Genre, si tu peux éviter de prendre des coups débiles comme ça. Parce que je sens qu'elle va me casser les roubignoles, elle. It's locked, all right. Ah. I have this thirst for blood. Bonsoir. You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. Oula, oula. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher. Le sol, il a pas l'air très stable, hein. All that remains
are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Come to me, niveau 30. My ouais. servants, avenge me, on guard. Oh, ha, ha. I smell your fear. Ah, wow. Touché, sir. Touché, elle a dit. Your hand is shaking. Ça pique, hein, hein? I summon thee, my children of the night. Bite, maim, spit, kick. Non. Touché, sir. Touché. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. What? Will she be the queen again once they all share? On avait toute mon endurance. Je t'en fous là, c'est quoi ça? Wow, c'est Luffy. Wow. Ah ouais, mais... Et genre elle m'a... Ah oh, oui, ok. D'accord. Come to me, my servants. Avenge me. What? Il s'est passé quoi là? Aïe aïe aïe. Bon, elle commence à m'enfler là. Oh là là. Voilà même. Vas-y, je me nourris. Vas-y, tu cassier. Attends. Rise and save your queen, my slave.
j'ai pas le choix, il va falloir que je triade en fait les petits pour les bouffer pour avoir du sang. Mais what, elle en a déjà 3. N'importe quoi, n'importe quoi. Je vais mourir. Ok, le combat il va être bien casse-couille. Hein. En fait, c'est le fait qu'elle appelle H24, c'est putain de scale de merde là. Encore 2-1 où ça passe, mais 3 en gros, je me passe H24 entre 4 personnes, c'est compliqué en fait. Ce qu'il faut, c'est que j'utilise les petits pour essayer de les bouffer pour récupérer un peu de sang et me soigner. Mais laisse tomber, vas-y. Avec son bras là, il fait des techniques à la Luffy là, la One Piece, laisse tomber. Ah putain. Ok, on va retenter. This is despicable. Je vais me refaire les deux là. Oh là 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 là. Ça, ils sont casse-pieds, clan. Putain de fumée de merde là. Inoffensif. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on retentera dans le prochain épisode. J'espère que je vais pouvoir réussir du premier coup. Hein. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une très bonne fin de soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.